Thank you.
va, comme ça, on peut y aller? Oui. Dire que j'allais poser un RTT, une soirée enfin, rien que pour moi, Plateau TV et Colombo. Si tu veux, on peut aller prendre un verre au bar après. Non, merci. De toute façon, il était complètement bourré. Il s'est étouffé dans son lit. Des bleus au visage, des marques de strangulation. Une plaie derrière la tête. C'est pas un accident, ça. Il a pu glisser et se casser la gueule. Hein. Rejoins-moi aux toilettes. Je suis pas prête de voir la fin de mon épisode. C'est donc vous qui avez découvert le corps? Je comprends pas comment ça a pu arriver. Vous pouvez nous raconter le déroulé de la soirée? Tous les amis de Léonard étaient venus fêter son départ pour Los Angeles. Los Angeles? Oui, il voulait lancer sa carrière d'acteur. C'était son rêve depuis tout petit. On a bu, on a dansé, on s'est amusé et puis... Léonard est parti aux toilettes. À un moment, je me suis rendu compte qu'il était plus là. Je l'ai cherché. Et c'est en arrivant dans les toilettes que je l'ai vu allongé sur la cuvette. Et pendant la soirée, vous n'auriez rien remarqué d'anormal? Une personne qui aurait pu en vouloir à Léonard? Non, il y avait que ses amis et sa famille autour de lui. Justement, c'est souvent dans l'entourage de la victime que... Pourquoi vous dites la victime? Comment ça, un meurtre? Vous étiez donc un ami de la victime? Un ami, oui. Si on peut dire. Comment ça? J'étais son ami. Vous étiez ensemble? Mais non, n'importe quoi. Steve, il pense que tout le monde était amoureux de lui. Ils sont pas ensemble. Et puis Léonard, il est 100% hétéro. Enfin, il l'était. Comment pouvez-vous en être certaine? Bah, je sais pas, il me l'aurait dit. Je suis sa meilleure amie. Non, c'est moi. Je croyais que vous étiez son amant. Oui, mais officiellement, je suis son meilleur ami. Et comme il allait partir sans vous à Los Angeles, vous l'avez tué. Non mais ça va pas la tête! Il voulait qu'on officialise notre relation. Emmène-moi avec toi mon amour, et vivons notre rêve américain. Et si on se marie à Las Vegas? Oui. Oui? Oui. Il ne se voyait pas partir à Los Angeles sans moi. Il voulait que je vienne avec lui. Et bien sûr. Donc pour vous, ils n'étaient pas ensemble? J'aime bien Steve. Il est drôle, il est gentil. Vous imaginez deux minutes Léonard avec lui? Et vous, vous imaginez avec Léonard? Non. Et comme il vous a repoussé, vous l'avez tué. Mais pas du tout! De toute façon, Emily et Steve étaient tous les deux amoureux de Léonard. Tout le monde aime Léonard. Alors là, c'est faux. Il y en a un qui n'aimait pas du tout. Et lui aussi a eu une discussion avec Léonard dans les toilettes. Qui? Alexandre. Le mari de la sœur de Léonard. C'est faux? Qui vous a dit ça? Je ne le détestais pas. C'est juste qu'il était un peu... envahissant. C'est-à-dire? Ben, il était toujours fourré chez nous. Et il avait une relation bizarre avec Deborah. Ben, c'est mon frère.
C'était... un de tes proches, c'est tout. Un peu trop. Il vivait carrément chez nous. Ça devait durer 1 ou 2 mois, le temps qu'il trouve un appart, et... ça faisait 2 ans que ça devait durer 2 mois. D'accord, mais Steve vous a vu sortir des toilettes. Pourquoi y êtes-vous allé? Non mais attendez, on a le droit d'aller aux toilettes quand même. J'avais envie d'aller aux toilettes, c'est simple. Et quand je suis entré, Léonard n'était même pas là. Emmène-moi avec toi, mon amour. Et vivons notre rêve américain. Si on se marie à Las Vegas? Non, Steve. Pour la dernière fois, je suis pas amoureux de toi. Je suis même pas gay. Et c'est à ce moment-là que vous l'avez tué. Mais pourquoi j'aurais fait ça? J'étais très content qu'il parte, moi. Qu'il parte loin. Je lui ai souhaité bonne chance pour sa nouvelle vie à Los Angeles et... bonne chance pour ta nouvelle vie à Los Angeles. Je suis sorti. Et la barmaid? Quoi, la barmaid? Elle était sortie ou elle était restée aux toilettes? Ça, je ne sais pas. Et alors? C'est interdit d'aller aux toilettes? C'est pas une preuve d'avoir tué quelqu'un? C'est bizarre d'aller dans les toilettes des hommes. Pourquoi? Bah, vous êtes une femme. Vous êtes une femme? Je me définis comme non-binaire. C'est-à-dire? Ben que des fois, je vais dans les toilettes des hommes et des fois dans les toilettes des femmes. Rejoins-moi dans les toilettes. On peut savoir pourquoi? À part le fait que je voulais me taper. Je me définis comme non-binaire. Je sais pas. C'est bizarre. Ben, et c'est moi. Et tu verras bien. C'est un peu comme ouvrir une pochette surprise. Faut que je réfléchisse. Vous l'avez tué. Tu vois, Marc, c'est ça l'amour. On étouffe l'autre. On l'oppresse. On l'étouffe et on le détruit. Écoute, Francine, je pense que toi et moi... Tu vois, Marc, c'est comme toi. Tu m'étouffes. Combien de fois il faut que je te dise que je ne veux pas boire un verre avec toi? Tu sais que c'est limite du harcèlement. J'ai demandé ma mutation! On a toujours fait une super équipe tous les deux.
Oui, c'est vrai. Mais les choses sont devenues un petit peu trop compliquées entre nous. Et je pense que... toi et moi, on a besoin de quelque chose de... nouveau. Le problème, c'est que c'est vous qui l'avez attiré dans les toilettes. Et ça fait de vous mon suspect numéro un. Oui, j'ai mis un mot dans la poche de Léonard. C'est pas Léonard qui m'a rejoint. Emmène-moi avec toi, mon amour. Vivons notre rêve américain. Faut se marier à Las Vegas? Non, Steve. Pour la dernière fois, je suis pas amoureux de toi. Je suis même pas gay. Ne le dites pas à ma femme. Donc c'est pas moi qui ai vu Léonard vivant le dernier. Ton corps. Mais c'est pas mon écriture, ça. Celui-là. Je sais pas. Je dirais Steve. Emily. Les autres, je sais pas. Alexandre? Non. Pourquoi il aurait fait ça? Bah oui, pourquoi j'aurais fait ça? Je suis venu pour la... le barmaid, moi. Oui, je lui ai donné rendez-vous aux toilettes. Mais ça s'est pas passé comme je l'espérais. Léonard? Voilà. Je peux pas te laisser partir sans te le dire. Mais je t'aime. Si tu me dis de venir avec toi, je viens. Et si tu dis rien, j'accepterai. Non, j'avais su ce qui était en train de se passer.
Si tout le monde est entré et sorti des toilettes après que Léonard soit rentré, ça peut être n'importe qui. Pas tout le monde. Il y a eu la barmaid, puis le mari de la sœur de Léonard. Puis il y a eu Léonard. Puis je suis rentré. Et sorti. C'est le vôtre, n'est-ce pas? Vous n'aviez pas perdu de vue Léonard, puisque vous lui avez donné rendez-vous aux toilettes. Et vous n'étiez pas la seule à avoir la bonne idée. Bravo, c'est très inventif mais complètement délirant. Et puis Steve m'a vu entrer et sortir en dernière. Non, il vous a vu sortir seulement. De toute façon, vous n'avez aucune preuve. Si vous faites des analyses, vous verrez l'ADN de tout le monde sur mon frère. C'est surtout celui de votre frère que je cherche. Vous reconnaissez cette veste ? Si tu me dis de venir avec toi, je viens. Si tu dis rien, j'accepterai.
On l'a trouvé dans la poubelle. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Je voulais pas qu'ils lui disent « Je t'aime ». Je voulais rester avec lui. Ça va me manquer, tout ça. Ben, reste. Sinon, maintenant qu'on n'est plus collègues, peut-être se faire ce dîner.